Nous sommes très contents d'être parmi vous ici à Bertois. And we are happy to be amongst you here in Bertois. Ok. Hier, nous avons effectué un grand trajet, c'est-à-dire nous avons fait un voyage. Yesterday we traveled, we took a journey. Venant de Bolova, c'est-à-dire du sud du Cameroun. From the south of Cameroon et Bolova. Pour Bertois. To Bertois, where we are. Par la grâce de Dieu, nous sommes bien arrivés. By the grace of God, we arrived safely. Dieu nous a gardés. God protected us. Et aujourd'hui, nous sommes à Bertois. And today we are in Bertois. Juste un contact, parce que c'est demain que nous allons vraiment démarrer le service. So we are just taking a contact. We will begin the services tomorrow perfectly. Un contact avec les serviteurs de Dieu qui sont là. Contact with the people of the Lord that are here. Et avec les frères aussi qui sont présents. With the brothers, the brethren who are here also. Dieu va se glorifier. And God will be glorified. Amen. Ici, nous sommes dans la maison de l'homme de Dieu, le pasteur Anthony. Nous étions avec lui à Bolova. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire le tour avec lui, mais sa maison c'est ici à Bertois. Okay. We are at Mr. Cole's place, the brother in the Lord, the father in the Lord's house, who has been with us in our tour, and we are in his place in Bertois today. Et nous avons voulu un traducteur en anglais parce que le Cameroun c'est un pays bilingue. We wanted a translator in English because Cameroon is bilingual. C'est un pays bilingue, il parle français et l'anglais. It's a bilingual country that speaks both English and French. Et aussi nous voulons que nos frères qui sont au Kenya puissent nous suivre. And we equally want our brethren in Kenya to follow us. Je salue le pasteur Harrison de Loin. I salute my the pastor Harrison. Il me dit souvent, mais mon frère Alain, il faut la traduction en anglais. Who always requires a translation in English. Ok, je salue ceux qui sont à Nairobi, ceux qui sont au Kenya. I equally greet those that are in Nairobi in Kenya. Et je salue tous les saints qui nous suivent de partout. And I greet all the saints that are following us from all over the world. Oh, qui sont au Congo. Who are in Congo. Surtout aussi les saints de Cameroun. And especially those that are in Cameroon. Et ailleurs. And elsewhere. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Ok. Tout le monde aussi qui nous suit. And everybody who follows me. Que soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Be blessed in Jesus' name. Ok, nous allons lire une écriture. Ok, we would read a word. Juste une exhortation. Just an exhortation. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons nous plonger dans les bains. And tomorrow, by the grace of God, we will go deep into the world. Pour le service ici à Bertois. For the services here in Bertois. Prenons le livre des Juges, chapitre 3. Let's take the book of Judges. Du 12e au 24e verset. Verse 12 to 24. Juges, chapitre 3, du 12e au 24e verset. Judges, chapter 3, verses 12 to 24. Ok. Juges, vous pouvez lire ça. Juges 3, du 12 au 24e verset, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël. Parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel, Eglon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites. Et il s'est mis en marche, il bâtit Israël, et ils s'emparèrent de la ville de Palmier. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Eglon,
roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Gera, Benjamite, qui ne servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Eglon, roi de Moab. Ehud se fit une épée de deux tranchants, longue d'une coudée, et il ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit les présents à Eglon, roi de Moab. Or, Eglon était un homme très gras. Lorsqu'il lui achevait d'offrir les présents, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal. Et il dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Et Ehud l'aborda comme il était assis seul dans la chambre d'été. Et il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Eglon s'éleva de son siège. Alors Ehud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonçant dans le ventre. La poignée même entra après la lame et la graisse se renferma. La graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Et une sortie par le portique ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent. Et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute, qu'ils couvrent le pied dans la chambre d'été. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. On te voit, hein? Ok. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Yes, in Jesus' name. Ok. S'il y a du vent, vous pouvez fermer la porte, hein? S'il y a du vent. Nous venons de lire l'Écriture. We are just from reading the word. C'est au sujet de Ehud. Ehud, c'était l'un des juges que Dieu envoya en Israël pour libérer le peuple. It's about Ehud. Ehud was one of the servants of the Lord who was sent to Israel to liberate his people. Ok. Au temps d'Ehud, il y avait un roi étranger qui dominait Israël, il s'agit d'Eglon. In the days of Ehud, there was a ruler in Israel, his name was Eglon. Et ce roi étranger ne pouvait pas dominer Israël pour toujours, parce que Israël se refusait de la promesse. And this stranger king could not dominate Israel forever, because he was a stranger. En d'autres termes, si tu es le fils de la promesse, in other words, if you are the son of promise, Dieu ne permettra jamais quelque chose de te dominer pour toujours. God would never permit something to dominate you forever. Premièrement, que tu sois d'abord fils de la promesse. Firstly, you have to be the son of promise. Que Dieu vous bénisse. Amen. The Lord bless you. Ok. Raison pour laquelle, du temps de Ehud, Dieu envoya Ehud pour libérer Israël de la main d'Eglon, un roi étranger. That's the reason why, in the days of Ehud, God sent Ehud to liberate Israel from the hands of the king Eglon. Une précision, Ehud se servait de la main gauche. To precise, Ehud was left-handed. He was using his left hand. Ça, c'est très important, ce détail-là. Il se servait de la main gauche. That detail is very important. He used his left hand. C'est-à-dire, pour tuer Eglon, il s'est servi de la main gauche. Suivez-moi bien. So, to kill Eglon, he used his left hand. Et en dehors de ça, il tua Eglon dans une chambre, c'est-à-dire c'était en secret. And he killed Eglon in a room. It was in secret. C'est en secret qu'il avait tué Ehud. It was hidden. It was in a secret that he killed him. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in Jesus' name. Ça, c'est l'évangile éternel. This is the eternal gospel.
eternal gospel. Okay, c'est-à-dire l'agneau sans défaut. That is the lamb without fault. Lorsqu'on mange cet agneau, when we eat this lamb, la marche commence. C'est-à-dire Dieu commence à compter après avoir mangé l'agneau sans défaut. Dieu commence à compter après avoir mangé l'agneau sans défaut. God begins to count after you have eaten the lamb without fault. Nous sommes dans Exode chapitre 12, n'est-ce pas? We are in Exodus chapter 12. Lorsque Israël mangea l'agneau sans défaut, c'est l'image de l'évangile éternel. When Israel ate the lamb without sin, it was an image of. Okay, c'est l'image de l'évangile éternel. Ah, it was eternal the image gospel. Of eternal gospel. Thank you very much. Okay, so thank you. Lorsqu'il mangea cet agneau sans défaut, when he ate this lamb without sin, without fault, il y avait des papas au milieu d'Israël. Il y avait des vieillards, il y avait des papas, il y avait des hommes même considérés. There were elders in Israel amongst them. Après avoir mangé cet agneau, after having eaten that lamb, tous sont devenus des enfants. Everybody became a child. Même si au milieu d'eux il y avait des bishops, bishops qui enlèvent des galons. And amongst them, there were bishops who removed their sleeves. Qui devient un enfant. They became children. Parce que le royaume appartient aux enfants. Because the kingdom of God belongs to children. Le royaume des cieux appartient aux enfants. The kingdom of God belongs to children. Et la marche commence par là. And the walk begins there. Dieu ne comptait pas, ne comptait plus les années passées. God does not count the past years. C'est-à-dire tes années passées, Dieu ne les compte plus. That is your past years, God does no more count them. Dieu commence à compter après avoir mangé l'agneau sans défaut. God begins to count as from when you eat the lamb without fault. Et l'agneau sans défaut, c'est l'évangile éternel. And the lamb without fault is the eternal gospel. C'est l'évangile enseigné par les apôtres. It is a gospel taught by apostles. L'évangile de la vérité, the gospel of truth, écrit dans les livres de la vérité que vous appelez la Bible. Written in the book of truth called the Bible. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Vraiment, je suis très content pour l'évangile éternel ici au Cameroun. I'm very happy for the eternal gospel here in Cameroon. Les frères camerounais, ce sont des frères qui aiment l'évangile. Ils sont très aimés. The brethren in Cameroon love the gospel. Ce sont les amoureux de l'évangile. They love the gospel. Que Dieu vous bénisse. Amen. May the Lord bless you. Et nous savons que à partir de vous, and we know that as from you, le Seigneur fera de grandes choses ici au Cameroun. The Lord would make marvelous things here in Cameroon. À travers vous, le Seigneur fera de grandes choses. Amen. C'est-à-dire, vous serez comme, comme je peux dire, je peux utiliser un langage courant. That is, you will be. Je peux utiliser un langage courant. I would use a local parlance. C'est-à-dire, vous serez comme les prémices de cet évangile ici au Cameroun. You would be like the peace of this evangelism here in Cameroon. The peace. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. May God bless you. Je ne sais pas si... Papa, ça va? Ça marche? Ok, que Dieu soit bon. Acclamez pour le Seigneur. Ok, retournons dans les livres de Juges. Ok, let's go back to the book of Judges. Juste une salutation. Just a greeting. C'est-à-dire le serment de ce soir. That is the sermon of this evening. C'est juste une salutation. It's just a greeting. Vous voyez, nous sommes dans les livres des juges. Nous sommes dans les livres des juges. Okay, we are in the book of Judges. Dans les livres des juges, il s'agit de la
de la marche d'Israël vers la possession du pays, le pays de Canaan. In the book of Judges, it's about the walk of Israel in the possession of Canaan. C'est-à-dire, c'est le peuple qui est sorti de l'Égypte par le sacrifice de l'agneau sans défaut. That is, it is the people who left Egypt in the sacrifice of the lamb without fault. Pas n'importe quel peuple qui devait posséder le pays de Canaan. Not any type of people who would conquer the land of Canaan. Qui devait entrer en possession des promesses de Dieu parce que le pays de Canaan c'était une promesse au temps d'Abraham. They are the people who would take the promise, who would receive the promise of God. Ok. Et le pays qui devait posséder le pays, ou le peuple qui devait posséder la promesse, qui devait posséder le pays, c'était le peuple un qui doit sortir par le sacrifice de l'agneau sans défaut. The people who would inherit that promise are people who would left as one with who had eaten the lamb without fault. Un peuple qui était sous l'aspersion du sang de l'agneau. A people who were under the blood of the lamb. Nous disons que Israël ne pouvait invoquer le sang en Égypte parce qu'il était déjà sous l'aspersion du sang de l'agneau. Israël ne pouvait invoquer le sang en Égypte parce qu'il était déjà sous l'aspersion du sang de l'agneau. Israel could not invoke the saint in Egypt because they were already in possession in under the blood of the lamb. Alors, on vous pose la question, qui devait invoquer le sang en Égypte? Lorsque l'ange venait frapper, qui devait invoquer le sang? And the question is, who was supposed to invoke the saint? C'était les Égyptiens qui devaient invoquer le sang, n'est-ce pas? Parce que Israël était déjà sous l'aspersion du sang. Il ne pouvait invoquer le sang parce qu'il était déjà sous l'aspersion. Okay. The people of Israel were the ones to invoke the saints because the people of Egypt, sorry, were the ones to invoke the saints because the people of Israel were already under the blood of the lamb. Pour dire tout simplement, si vous voyez les gens invoquer le sang dans leurs églises, ce sont les Égyptiens. To mean if you see people invoke saints in their churches, they are Egyptians. Nous sommes déjà sous l'aspersion du sang. On n'a pas cette possibilité-là d'invoquer le sang parce que nous sommes déjà sous l'aspersion du sang. Nous sommes sous l'alliance du Christ. We are already under the blood of the Lamb. We don't have to invoke saints because we are already under the blood of the Lamb. Ok, on peut être reconnaissant à l'œuvre de la croix, le sang que Jésus a versé sur la croix. Nous sommes reconnaissants, mais on ne peut pas invoquer. We are grateful to the blood shed on the cross of Calvary by the Lord Jesus, but we can't invoke the saints. Alors, ce peuple qui est sorti par le sacrifice sans défaut. So this population that left with the sacrifice of the lamb without fault, qui est passé par la mer rouge, qui est l'image du baptême. Who crossed the Red Sea, which is an image of baptism. Et c'est ce peuple-là qui devait posséder Canaan, le pays. It is this population that was supposed to conquer Canaan. C'est-à-dire, tu crois premièrement à l'agneau sans défaut, à l'évangile éternel. That is, you first of all believe in the Lamb without fault, at the eternal gospel. Dans l'évangile éternel, l'évangile enseigné par les apôtres, les femmes n'ont pas de ministère, femmes pasteurs, femmes évangélistes, etc. Ça n'existe pas. In the eternal gospel, women do not have ministries. That is, women are not pastors, etc. Et dans cet évangile, ce qu'on appelle l'huile d'onction, and in this gospel, what we call anointing oil, que nous appelons l'huile diabolique, ça n'existe pas. And that we call anointing oil does not exist. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in Jesus' name. C'est-à-dire croire à l'évangile éternel. That is believe in eternal gospel. C'est croire à l'enseignement des apôtres.
is believing in the teachings of the apostles. C'est ça, l'agneau sans défaut, la marche commence par là. That is the lamb without fault. The march begins from there. Et confirmer cette foi par le baptême, c'est ça la traversée de la mer Rouge. And confirming this belief by baptism is a proof of crossing the Red Sea. OK, et la nuée se levera, c'est le baptême de l'esprit. La nuée se levera, c'est le baptême de l'esprit. La nuit se levera. The night will arise. That is the baptism of the Holy Spirit. Aussi la traversée de quoi? Du Jourdain, parce que Israël a traversé deux eaux. Also the crossing of the Jordan, because Israel crossed two rivers. OK, le Jourdain, c'est aussi l'image du baptême de l'Esprit. Parce que dans Jean chapitre 7, le verset 37 à 39, Jésus compare l'esprit au fleuve. Bon, je répète. Le Jourdain, c'est aussi l'image du baptême de l'esprit. OK. The river Jordan is also an image of the baptism of the spirit. Parce que dans le livre de Jean chapitre 7, le verset 37 à 39, Jésus compare l'esprit au fleuve. Because in the book of John 37 37 à 39. John Jean chapitre 7 okay. Verset because 37, in the book of John chapter 7 verse 7 37 to 39. Oui, Jésus compare l'esprit au fleuve. Jesus compares spirit to rivers. C'est-à-dire, la première traversée de la mer Rouge, c'est le baptême d'eau. That is the first cross of the Red Sea is the baptism of water. Et la traversée du Jourdain, l'esprit comme fleuve, c'est le baptême de l'esprit. And the crossing of the Jordan is the baptism of the spirit. Aussi, le retour d'Israël, c'est-à-dire la marche d'Israël pour conquérir Canaan. And the work of Israel to overcome Canaan. C'est la marche vers le royaume des cieux. It's a walk towards heavens. Vous savez, Jean-Baptiste prêchait le royaume. You know, John the Baptist preached heavens. Le chemin obligé pour arriver au royaume, il faut passer par le baptême. The path to get to heavens was to pass through baptisms. Suivez-moi très bien et soyez branchés. Listen very carefully and be connected. Ces choses-là, c'est la répétition de ce que Dieu a fait pour Adam. These things are a repetition of what God did to Adam. Le jardin d'Eden, c'est l'image du royaume. The garden of Eden is the image of the heavens. Et après avoir formé Adam, Dieu devait faire entrer Adam dans le jardin. After having created Adam, God had to make Adam enter the garden. Remarquez, le jardin était entrecoupé par le fleuve. If you notice, the garden was surrounded by rivers. C'est-à-dire quatre bras de fleuve. That is four branches of rivers. Et la position d'Adam, Adam était au milieu du jardin d'Éden. And Adam was in the middle of the garden. Raison pour laquelle il pouvait facilement goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin. That's why he could taste the fruit from the tree of truth and evil, which was found in the middle of the garden. Alors, Dieu avait placé Adam au milieu du jardin. So God placed Adam in the middle of the garden. Pour votre information, Adam a été formé par la terre du dehors du jardin. Du dehors, terre du dehors. Dieu a pris la terre du dehors pour former Adam. Il a formé Adam dehors. So you should know that Adam was made from the earth, the ground, the soil from out of the garden of Eden. C'est pourquoi lorsque Adam a transgressé la loi dans Genèse chapitre 3,
Dieu dira, tu es poussière, tu es terre, tu retourneras là où tu as été tiré. Il a été tiré où? C'était dehors. C'est pourquoi Adam est retourné dehors. That is why when Adam disobeyed God and ate the fruit of in the garden of Eden that was forbidden, God said, you are earth and you will return to earth. Alors, lorsque Dieu forma Adam dehors, so when God made Adam outside the garden, c'est la marche vers le royaume. Dieu devait accompagner Adam pour le faire entrer dans le royaume et qui est le jardin d'Éden. Ici, nous sommes dans l'ombre. God had to accompany Adam to get to the dans le jardin, c'est-à-dire mettre Adam dans le jardin d'Éden. Get Adam to the garden. God had to accompany Adam from where he made him to the garden. Je n'ai pas le temps pour vous parler sur la porte orientale parce que Adam était un roi. Hein? Adam était un roi. I don't have the time to talk about the oriental gate because Adam was a king. Et dans le livre d'Ézéchiel chapitre 47 and le verset 12 in the book of Ezekiel chapter 47 verse 12 lorsque le roi entrait dans les sanctuaires, c'est-à-dire lorsque le roi entrait pour adorer. So when a king enters a sanctuary to worship, le roi entrait par la porte orientale et sortait aussi par la porte orientale. They entered through the oriental doors or gate and went out through the same gate. De la même manière, lorsque Dieu a fait entrer Adam dans le jardin, the same way as God made Adam to enter the garden, Adam était tout un roi. Adam was a king. Dieu l'a fait entrer dans la porte orientale. God made him to enter through the oriental gate. Et lorsqu'il chassa aussi Adam, and when he drove Adam away, Dieu l'a fait sortir de la porte orientale toujours. Adam est sorti par la porte orientale. God made him to go out through the same oriental gate. Soyez bénis au nom de Jésus. Blessed in Jesus. C'est pourquoi pour fermer la porte du jardin d'Éden, Dieu a fermé la porte orientale. That is why to close the gate to the garden of Eden, God closed the oriental gate. C'est-à-dire Adam est sorti par cette porte. That is Adam went out through this door. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in Jesus' name. Maintenant, remarquons. Now, let's take note. Pour arriver au milieu du jardin, to arrive at the center of the garden, tant que le jardin était entrecoupé par le bras du fleuve, as the garden was crisscrossed by rivers, Adam a traversé le fleuve. Adam crossed the rivers. C'est ce que nous appelons le baptême d'Adam. That is what we call the baptism of Adam. Adam a été baptisé. Adam was baptized. C'est-à-dire, Dieu lui a fait traverser, je vous informe, c'était deux bras du fleuve. God made him to cross two branches of rivers. Parce que la position d'Adam dans le jardin, c'est la position du souverain sacrificateur dans la marche. Because the position of Adam in the garden is the position of the sovereign souverain sacrificateur. Sacrifier. The sovereign sacrificer. Ok. C'est bon. Dieu fera grâce. Hein, petit à petit. Remarquons ceci. Let's take note of this. Dans Nombre chapitre 2. In Numbers chapter 2. Il s'agit de la marche d'Israël. It's about the work of Israel. Israel. Dans la marche d'Israël, Israël est divisé en quatre. In that walk, Israel was divided into four. Il y a premièrement Juda qui ouvre la marche. There is first of all Judah who opens the walk. Je vous informe, ces quatre portions là d'Israël, ce sont les quatre bras du fleuve. I would inform you, those four branches are the four branches of rivers. Ok, il y a d'abord Juda, après Juda, il y a Ruben. There is first of all Judah, after Judah there is. Après, il y a les souverains sacrificateurs et l'arche qui était au milieu. And there is the sovereign sacrificer and the ark which was in the middle.
Et derrière le sacrificateur, le souverain sacrificateur, l'arche qui était au milieu, après il y avait une autre tribu. C'était Ephraim. After the ark, there was Ephraim. Ok, soyez concentrés. The tribu of Ephraim. Et après Ephraim, il y a celui qui clôturait la marche, c'est-à-dire c'était Dan. And the last group was Dan. Adam. Dan. C'était Dan. Dan. C'est-à-dire, pour arriver là où il y a l'arche, pour arriver là où il y a le souverain sacrificateur, so to arrive where there was the ark, or to arrive where there was the sovereign sacrificer, il faut, si tu entres par derrière, tu vas traverser deux. If you pass from behind, you would cross two branches. C'est-à-dire, tu traverses deux branches, tu traverses celui qui fermait la marche Dan. Dan. Après tu traverses Ephraim. So to get to the ark, you would cross, you would pass through, if you pass through the hind, you would cross two branches, that is Dan and Ephraim. Et si tu entres par devant, tu vas traverser aussi deux branches. And if you pass from the front, you would equally cross through two branches. Tu traverses Jida et après tu traverses Ribé. You cross, you will pass through Judah, and after that you pass through Ribben. En fait, tu arriveras là où il y avait le souverain sacrificateur. And then you would arrive where there is a sovereign sacrificer. Pour dire tout simplement, parce que c'est la répétition de ce qui s'est passé au jardin d'Eden. To say it is exactly a repetition of what happened in the Garden of Eden. Pour dire tout simplement, lorsque Dieu a pris Adam pour le mettre au milieu du jardin. To say when God took Adam and put him in the middle of the Garden of Eden, Adam a traversé deux bras du fleuve. Adam crossed two portions of rivers. Pour arriver là au milieu du jardin. To enter into the middle of the garden. En d'autres termes, pour posséder le pays, il a traversé d'abord deux bras du fleuve. In other words, to conquer a country, he crossed two branches of rivers. C'est ce que Dieu répète pour la marche d'Israël, parce que Israël c'est un autre Adam. And it is the same thing that happened to the people of Israel. Pour posséder le pays qui est Canaan, to conquer Canaan, Israël doit traverser aussi deux fleuves. Cross two rivers. Premièrement, c'est la mer Rouge. Firstly, the Red Sea. Et deuxièmement, c'est le Jourdain. And secondly, the Jordan. C'est la répétition de ce qui s'est passé avec Adam. It is a repetition of what happened to Adam. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Blessed in Jesus' name. Et le premier ou la première traversée, c'est le baptême d'eau. The first crossing is the baptism of water. La deuxième traversée, c'est le baptême de l'Esprit. And the second crossing is the baptism of the Spirit. En d'autres termes, tu ne peux pas retourner au royaume. In other words, you cannot go back to the kingdom. Entrer au royaume des cieux. Enter in the kingdom of God. Posséder les promesses. Être en possession des promesses. You cannot go back to the kingdom of God and accept the promises sans pour autant être baptisé, c'est-à-dire traverser les eaux. Without being baptized, that is crossing the rivers. Que Dieu vous bénisse. Amen. God bless you. C'est ça le retour au royaume. That is the way to return to the kingdom. Alors, ce peuple-là qui devait posséder le pays. So that population, that people that had to conquer those. Après avoir cru à l'évangile éternel, c'est-à-dire manger l'agneau sans défaut, after having believed in the eternal evangelism, il confirme ça par le baptême d'eau, c'est la traversée de la mer Rouge. They confirm that by baptism of water, that is the crossing of the Et après être baptisé de l'Esprit qui est la mer qui est le Jourdain, la traversée de la Jourdain. And after being baptized by the Spirit, which is symbolized by the crossing of the Jordan. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in Jesus' name. Acclamez d'abord pour cet évangile. Lorsque nous parlons de ces choses, when we speak this thing, on ne se sent plus sur la terre, hein, c'est comme on est là dans les airs.
we don't feel at on earth again. We feel like we are in the sky. Ça donne la joie. It gives happiness. L'évangile éternel procure la joie. The eternal gospel gives joy. Que la paix du Seigneur soit avec vous. May the peace of the Lord be with you. Okay. Dans le livre des juges. Okay, let's go back to the book of Judges. Est-ce que là ça marche? Là ça marche, je pense. Est-ce que vous saisissez? Non, je parle de. Oui, ça marche. Je suis direct. Oui, le direct envoie. Ok. Regardons maintenant. Ok, let's look. Nous sommes dans le livre des juges. We are in the book of Judges. C'est Israël qui devait posséder la terre. It's Israel that had to conquer the earth. Mais vous savez, si vous prenez Juges chapitre 1, if you take Judges chapter 1, les terres que Israël devait posséder, the lands Israel had to conquer, c'était des terres qui étaient déjà écrites dans un livre. They are lands which were already written in a book. C'est-à-dire, Israël ne pouvait entrer en possession, ne pouvait posséder pas n'importe quelle terre. So Israel could not conquer any type of land. Lorsque Israël possédait les terres, il regardait ce qui était écrit dans les livres. When Israel conquered lands, they looked at what was written in the book. Là, nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 15, le verset 18. We are in Genesis chapter 15, verse 18. Lorsque Abraham quitta la Mésopotamie pour posséder la terre de Canaan, when Abraham left Mesopotamia to possess the land of Canaan, Dieu lui a fait visiter toute la contrée ou toutes les contrées qu'il devait posséder. God made him visit all the lands, the surrounding lands that he had to conquer. C'est-à-dire toutes les contrées à sa possession et à la possession de sa postérité, Dieu lui a fait visiter. So God made him visit all the lands he had to conquer. Et toutes ces contrées étaient écrites dans un livre. And they were all written in a book. Là, c'est merveilleux. C'est-à-dire lorsque Israël entrait en possession de cette terre, c'est-à-dire les portions qu'il devait posséder. When Israel conquered the lands he was supposed to inherit, il est regardé dans un livre. They checked in a book. Ce qui était écrit depuis Abraham. Which was written since in the era of Abraham. S'il regarde dans les livres, they looked at the book. Le nom de cette contrée n'est pas écrit dans les livres. Israël ne pouvait jamais posséder cette contrée. When they arrived in land which was not written in the book, là, they did not conquer that book. Là, c'est merveilleux. That's wonderful. Est-ce en réalité le livre de la vérité, l'évangile éternel, parlait tout simplement de ces contrées-là, de cette terre-là? So the Bible, the Holy Book, talked about those lands. Loin de là, Dieu parlait des hommes. But God talked about humans. C'est-à-dire les portions là de terre que Israël devait posséder. That is those portions of land that Israel had to conquer. Ces portions là de terre inscrites, écrites dans les livres, ce sont les hommes. That is those portions of land written in the Bible are humans. Vous êtes heureux parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Amen. Be happy because your names are written in the book of life. La marche d'Israël vers la conquête, the walk of Israel towards the la marche d'Israël pour conquérir vers la conquête de Canaan, the walk of Israel to conquer Canaan, c'est la marche de Jésus-Christ vers la conquête. It is the walk of Jesus to equally conquer. Le véritable Israël, c'est Jésus. The true Israel is Jesus. Prenons Matthieu chapitre 2, le verset 15. Let's take Matthew chapter 2, verse 15. Matthieu chapitre 2, le verset 15. Matthew chapter 2,
chapitre 2, 15. Matthieu 2, 15, nous disons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Matthieu 2, le verset 15. Et il l'a fait. Non? Oh, je ne suis pas là, je suis en malachif. Matthieu 2, verset 15, nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. I called my son out of Egypt. Suivez bien. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. I called my son out of Egypt. Mais je vous assure que cette écriture s'adressait à Israël. But I assure you this word was intended for the people of Israel. Prenons Osée chapitre 11 le verset 1. Let's take Hosea chapter 11 verse 1. Hosea 11 le verset 1. Hosea chapter 11 verse 1. Hosea 11 verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'appelais mon fils et j'appelais mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Là, il s'agit d'Israël. I called my child out of Egypt. Il s'agit d'Israël, n'est-ce pas? And that's Israel, isn't it? Pour dire tout simplement, si nous comparons Matthieu chapitre 2, le verset 15, à Osée chapitre 11, le verset 1, le véritable Israël, c'est Jésus-Christ. If we compare those two sections of the Bible we read, that is Matthieu chapitre 2, verset 14, and Hosea chapitre 11, verset 1, we would realize that the child we are, they are referring to is Israel. Est-ce que vous comprenez? Do you understand that? C'est clair? Amen. Le véritable Israël, c'est Jésus. The real Israel is Jesus. Raison pour laquelle nous disons, that's the reason we say, la marche d'Israël pour conquérir, the walk of Israel to conquer, tonight, c'est la marche de Jésus. It is the work of Jesus. Jésus est venu sur la terre pour conquérir les territoires. Jesus came on earth to conquer territories. Et les territoires que Jésus devait conquérir, ce sont les hommes. And the territories Jesus was to conquer are humans. Mais il faut d'abord que ton nom soit écrit dans un livre. But your name has to first of all be written in a book. Et dans Apocalypse chapitre 1, and in Revelation chapter 1, dans Apocalypse chapitre 6 le verset 14, in Revelation chapter 6 verse 14, le livre c'est le ciel. Le livre c'est le ciel. The celestial book. The book is the sky. The book is the sky. Le livre c'est le ciel. Okay. The book is the sky. Okay. Okay. C'est pourquoi nous disons, that's why we say, ceux ou les hommes que Jésus devait conquérir, the persons Jesus was to conquer, ce sont les hommes dont leurs noms sont écrits dans le ciel. Are the people whose names are written in the heavens. Amen. Si aujourd'hui vous êtes la possession de Jésus, if you are in you are a child of God, if you are in possession of Jesus, if you have Jesus in your life, okay, vous êtes la propriété de l'évangile éternel. You are a property of the eternal gospel. Parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Because your names are written in the skies. Dieu vous a connu avant la fondation du monde. God knew you before the world was created. Croire à l'évangile éternel n'est pas donné à n'importe qui. Believing in the eternal gospel is not given to anybody. Il faut premièrement que ton nom soit écrit dans le ciel, dans un livre. You have to first of all have your name written in the heavens. C'est pourquoi. That is why. Raison pour laquelle. That is why. Les territoires que Israël devait posséder, the territories, the lands Israel was to conquer, ce sont des territoires écrits dans un livre. Were lands which were written in a book. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi Jésus disait souvent, that's why Jesus usually says, voici un autre fils d'Abraham. This is another son of Abraham. Ce sont des territoires connus d'avance. Those are territories which were known before. Leurs noms sont écrits dans les livres. Their names were written in books.
Que Dieu vous bénisse. Et God bless you. Acclamez pour le Seigneur. Mais remarquez. But notice. Après avoir conquis. After having conquered. Ou après la possession du territoire. After having conquered those territories. Qu'est-ce que Israël faisait? What did Israel do? Il changeait les noms de ces territoires. They changed the names of those territories, of those lands. Vous voyez certains territoires écrits dans un livre. You would see certain lands written, their names written in certain books. Mais à un certain moment, le fils d'Anak domine sur ces territoires. In a certain moment, the son of Anak would dominate on these territories. Soyez branchés, ce sont des choses spirituelles. Be connected. Ce sont des choses spirituelles. Those are spiritual things. Ces territoires écrits dans les livres. Those territories written in books. Mais à un certain moment, les Cananéens ou les fils d'Anak dominent sur ces territoires. In which at a certain point in time, the Canaanites dominated on those territories. Et Israël vient. And Israel came. Il chasse les fils d'Anak. Chased away the sons of Anak. Et entre en possession de ces territoires. And conquered those territories. Après avoir entré en possession de ces territoires, after having conquered those territories, ils changeraient les noms du territoire. They changed the names of those territories. Parfois, les noms de la ville s'appelaient Luz. At times, the names of those territories of those of towns were called. Mais lorsque Israël prend possession du territoire, il change les noms du territoire. And soit when il Israel, donne le nom de Jérusalem. And when Israel conquered those territories, they changed the names of those lands. Que Dieu for instance, they gave the name Jerusalem. Nous sommes dans Juges chapitre 1 et Juges chapitre 2. We are in Judges chapter 1 and Judges chapter 2. Ce sont des choses prophétiques. Those are prophetic things. C'est spirituellement qu'on en juge. It is spiritual. Remarquez. Le premier territoire de Dieu, c'était le premier Adam. Notice that the first territories of God were the territories of Adam. Adam, comme fils de Dieu, son nom était écrit dans les livres parce que Dieu ne pourra jamais perdre son fils. Adam, as the son of God, his name was written in books. Mais à un certain moment, il y avait le fils d'Anak qui a occupé ce territoire qui est Adam. And at a certain point in time, there were the sons of Enoch who occupied, of Adam who occupied these territories. Et le nom du fils d'Anak qui occupa ce territoire qui est Adam. The name of the son of Enoch who occupied this territory, who was Adam. C'était le serpent. Was snake. Le serpent, c'est le fils d'Anak qui a occupé le territoire appelé Adam. The snake was the son of Enoch who occupied the territory called Adam. Maintenant, le véritable Israël qui est Jésus viendra à la conquête de ce territoire. Now, the real Israelite who is Jesus would come and conquer this territory. Nous tous, nous étions en Adam. All of us were in Adam. Et lorsque Jésus vient comme le véritable Israël. And as Jesus comes as the real Israelite, il faut qu'il chasse d'abord le fils d'Anak qui dominait ce territoire. He has to chase away the son of Enoch who dominates over that territory. Chasser les serpents. Chase snakes. Et entrer en possession du territoire. And come into possession of the territory. Regardons le ministère de Jésus. Let's look at the ministry of Jesus. Pour entrer en possession du territoire, to get into possession of the territory, Jésus devait d'abord chasser les démons. Jesus had to chase away demons. Jésus qui chasse les démons, Jesus chased away demons. C'est Israël qui chasse les fils d'Anak. It's similar to Israel chasing away the sons of Anak. C'est Israël qui chasse les nations. Is Israel chasing away nations? Afin de posséder les pays, les territoires. In order to possess territories. Lorsque Jésus entre dans ta vie, when Jesus enters in your life, la première des choses, il doit chasser les péchés qui te dominent.
The first thing he has to do is to chase away the sins which dominate you. Il doit chasser les démons qui te dominent. He has to chase away the demons that dominate you. Et après, il entrera en possession. And then he will get into possession. Il prendra possession de ta vie. And he will possess your land. C'est ça Israël qui chasse les Cananéens. That is similar to Israelites who chase away Canaanites. Qui chasse les fils d'Anak. Who chase away the sons of Anak. Et après, il possédera les pays. And then he would conquer the town. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord bless you. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Be blessed in Jesus' name. Je pense que c'est clair, hein? Pour vous dire tout simplement, la marche d'Israël vers la conquête, c'est la marche d'Israël, c'est la marche de Jésus pour conquérir les hommes. So it is similar the work of Israelites to conquer Canaan is similar to the work of Jesus to conquer the world. Et de la même manière que Israël devait chasser les nations, devait chasser les fils d'Anak. And the same way that Israelites had to chase away nations and the sons of Anak, c'est Jésus-Christ qui chassait les démons. It is Jesus who chases away demons. Il chassait les mauvais esprits. Who chases away evil spirits. Et après, il possédait la terre, il possédait les hommes. And then he possessed your body and possessed humans. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in Jesus' name. Ok, nos audios seront mis dans notre groupe, comme d'habitude. Nous avons un groupe pour les saints de Cameroun. We have a group for the saints in Cameroon. Groupe WhatsApp uniquement pour les saints, l'église des saints du Cameroun. A WhatsApp group solely for the saints of Cameroon. Même pour ceux qui sont à Douala. Even for those that are in Douala. À Yaoundé, à Ebolova, ici à Bertois, nous serons aussi à Bafoussam, we will equally go to Bafoussam, et dans d'autres villes, à Nyopon aussi, à Nyopon. Vous voyez, tous les saints qui sont répandus dans tous les Camerouns. All the saints that are found all over in Cameroon. Je ne sais pas qui est l'administrateur de ce groupe, c'est qui? I don't know who is the admin of the group. Ok, là, il faut mettre tous les saints. So you would put everybody in. Les mamans, mothers, nos jeunes sœurs, les papas, sisters, fathers, tous les serviteurs. All the servants. Qu'ils soient dans ce groupe là. Let them be put in that group. Parce qu'après, nos enseignements, directement les enseignements sont mis dans les groupes. Tout le monde, partout où il est, dans tous les points du Cameroun, il peut charger les enseignements. Because after our teachings, we would load them in those forums, so that everybody will have those teachings. Nous serons là au Congo. Even when we would be in Congo, nous allons toujours continuer à mettre les enseignements. We would continuously load teachings. Nous devons garder l'église du Cameroun sainte. We have to keep the church in Cameroon, l'église du Cameroun propre, clean, holy. Pas n'importe quel serviteur qui entrera dans ces champs. Not any type of servant who would enter in. Pas n'importe quel serviteur qui entrera dans ces champs ici. Dans ces champs. Les champs du Cameroun. Okay. Okay. Not any type of servant would enter in these churches. Parce qu'il y a beaucoup de semeurs de troubles. Because there are so several disturbers, people would be disturbing. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Okay. Voilà la marche d'Israël pour conquérir. En réalité, c'est la marche de Jésus. So. The work of Israel to conquer is the work of Jesus. Et lorsque Israël était en possession des terres, il changeait directement les noms de ces terres, les noms de ces villes. And when Israel possessed territories, they changed the names of those territories, they changed the names of the towns. C'est-à-dire lorsque Jésus entre dans ta vie, il doit changer ton identité. So when Jesus enters in your life, he has to change your identity. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in Jesus' name.
Je pense que c'est clair. Hein? I hope it's okay for everybody. C'est-à-dire la marche d'Israël pour conquérir. So, the work of Israel to conquer. C'est la marche de Jésus. It is the work of Jesus. Mais sans oublier, l'Église, c'est aussi le corps de Jésus. Not forgetting that the church is also the body of Christ. C'est aussi la marche de l'Église. So, it is also the work of the church. Pour ceux qui étaient avec nous, for those who were with us, à Bertois, à Ebolova, in Ebolova, nous avons parlé des trois fils d'Anak. We talked of the three sons of Anak, qui se sont levés devant la marche d'Israël. Who stood up against the work of Israel. C'est-à-dire, dans la marche de l'Église, il y a aussi trois esprits géants qui se sont levés. That is, in the work of the church, there were three spirits who stood. Ce sont les trois esprits impurs qui sortent de la bouche de la bête de l'Antichrist. They are the three spirits which qui sortent de la bouche de l'Antichrist. Which come out of the beast of Antichrist. C'est-à-dire les trois esprits impurs semblables à la grenouille. That is the three spirits similar to frogs. Et ce sont trois doctrines. That is three doctrines. Des faux doctrines, c'est-à-dire les balamismes. That is a false doctrine. Les balamismes. Balamisme. Doctrine of Balaam. La doctrine de Balaam. Ah, the Balaam. Doctrine of Balaam. Sorry. Okay. Le Jézabélisme. Okay, the doctrine of Jezebel. The doctrine of Jezebel. Et le Nicolaïsme. And the doctrine of Nicolas. Okay, par la grâce de Dieu, lorsque nous allons commencer le travail demain. By the grace of God, as we will begin the work tomorrow. Demain, nous allons faire mention, nous allons insister aussi sur le Jezebelisme. We would make mention of the doctrine of Jezebel. Okay, que Dieu vous bénisse. May God bless you. Maintenant, je vais chuter par Ehud. In our land? Je vais chuter par Ehud. With what Ehud said? Nous venons de lire Ehud dans Juges chapitre 3, le verset 12. We are from reading Ehud in Judges chapter 3, verse 14 to 24. À un certain moment, Israël était dominé par un roi étranger, Eglon. At a certain point in time, Israel was led by a certain king, Eglon. Qui est Israël? Israël, c'est le fils de Dieu. Who is Israel? Israel is the son of God. Si vous prenez Exode chapitre 4, le verset 22, vous pouvez dire ça. If you take Exodus chapter 4, verse 22, you can read about that. Exode chapitre 4, le verset 22. Exodus chapter 4, verse 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. Pour dire que Israël, c'est le fils de Dieu. Israël is my son, my firstborn. That is to mean Israël is the son of God. Mais dans Juges chapitre 3, Israël transgressa la loi. But in Judges chapter 3, Israël failed the law. Dieu le livra à un roi étranger. God delivered him unto a foreign king. Là, c'est selon Deutéronome chapitre 28, le verset 49 à 52. That is according to Deutéronome 28, verse 46 to 52. Là, c'est écrit clairement, noir sur blanc, lorsque Israël te transgressera la loi, je te livrerai aux étrangers. It is clearly written, if you fail the law, I would lead you to a foreign king. En d'autres termes, dans Juges chapitre 3, c'est l'accomplissement de Deutéronome chapitre 28. In other words, Judges chapter 3 is an accomplishment of Exodus 28. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple.
But God does not abandon his people. Dieu est venu avec le projet de paix. Il a envoyé un juge qu'on appelle Ehud. So God sent a judge called Ehud. Vous savez, lorsque on envoyait, Dieu envoyait le juge en Israël. So you know when God sent judges in Israel. Je vais vous réveiller quelque chose. I would reveal something to you. Prenons le livre des juges. Let's take the book of Judges. Take the book of Judges. Yes. Prenons le livre des juges. Let's take the book of Judges. Chapitre 3. Chapter 3. Ok. Je prends un verset au hasard. I will take a verse in at random. Ok. Dans le chapitre 3. In chapter 3. Remarquez. I will take a verse in at random. Le verset 12. Chapter 3, verse 12, sorry. Prends le verset d'abord 12. Juge 3, 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qu'il déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait de ce qu'il déplaît. Tu peux te limiter là. Prends le verset 15. Juge 3, 15. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur. Quoi? L'Éternel leur suscita un libérateur. C'est-à-dire, l'Éternel leur suscita un libérateur. And the Lord raised them up a deliverer. Ici, c'était Ehud. Je prends aussi, une autre écriture. I will take another verse. Ici, c'est au temps de Othniel. It was in the time of Prenons Othniel. Juge 3, le verset 9 à 10. Judges chapter 3, verse 9 to 10. Juge 3, 9 à 10. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui le délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Tu peux te limiter là. Mais là, venons au temps de Déborah. Ok, let's prenons go to the period of Déborah. Prenons Juge 4, le verset 3. Ok, Judges chapter 4, verse 3. Juge 4, le verset 3, nous disons au Seigneur. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car jamais avait fait 9 ans et 900 ans chars de fer. Avait 900 chars de fer. Car jamais avait 900 chars de fer. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Est-ce que dans cette écriture, au temps de Déborah, on a dit l'Éternel suscita ou envoya un juge? On n'a pas fait mention. On dit seulement Déborah était juge. Vous voyez la différence? They say in this verse that God. Est-ce que vous avez compris? Amen. On n'a pas dit que l'Éternel envoya, suscita, comme les autres juges. Last verse that God ici, on dit seulement Déborah était juge. La justice. So they say que vos yeux soient ouverts. Amen. Vas-y, dis ça en anglais. Read in English. Read in English. Okay. Déborah, Judges, verse 4. Chapter 4, verse 3. C'est-à-dire, il y a une différence entre Déborah et les autres juges. And the children of Israel cried out to the Lord. Les autres juges, l'Éternel suscita, leur envoya. For the other judges, God delivered judges to the people of Israel. Mais du temps de Déborah, en ce temps-là, Déborah était juge. And in the time of Deborah, she was already a judge. Alors, les gens qui s'appuient sur le ministère de la femme, sur Déborah. So, those who focus on women ministries, vous êtes tombés. Deborah, you have fallen. Vous êtes tombés. You have fallen. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Pardon, expliquez encore ça en anglais. Pourquoi they have fallen? Parce que tu n'as pas bien expliqué. Because they believe in the ministries of women. Okay. Dieu envoya les autres, mais Déborah n'a pas été envoyée. Okay. God delivered judges in the other cases, but in the case of Déborah, she was already a judge. Là, c'est bien dit en anglais. Hein? It's very good in English. Yes.
He speaks good. I'm struggling. Thank you. Ok, je précise, les autres juges, c'est clair, Dieu leur envoie, leur suscita, okay. Un juge. Mais les temps de Déborah, on dit seulement, en ce temps, Déborah était juge. C'est différent. Ok, it is clearly written, the other judges were delivered to them. Et à part ça, in the time of Déborah, it is only said she was already a judge. Et à part ça, les sacerdoces. Lorsqu'on parlait du ministère en Israël, c'était le sacerdoce. When we talked of ministries in Israel, it was a okay. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bless in Jesus' name. Ça, c'était juste l'entre parenthèse. Okay, this was just an entry. Alors, nous disons ceci du temps de Héroud. Héroud, Israël transgressa la loi. Dieu les livra à un roi étranger. In the time of Ehud, Israel failed the law and God delivered them to a qui est Israël? Israël, c'est le fils de Dieu. Who is Israel? Israel is the son of God. Et si vous prenez Luc chapitre 3, le verset 38, if you take Luke chapter 3, verse 38, Adam, c'est le fils de Dieu. Adam is the son of God. Vous devez comprendre que Israël, c'est un autre Adam. You have to understand that Israel is another Adam. De la même manière, Israël transgressa au temps de Ehud. The same way Israel failed the law in the time of Ehud. Et Dieu le livra à un roi étranger. And God delivered him. God, delivered him to a foreign king. Dieu le livra à un roi étranger. Yes. Okay. God delivered him to a foreign king. Du temps d'Adam aussi, Adam a transgressé la loi. In the time of Adam, Adam failed the law. Et Dieu l'a livré à un roi étranger qui est le serpent. God also delivered him to a foreign king who was a snake. De la même manière que Dieu suscita Ehud, the same way God wanted Ehud pour délivrer Israël, to deliver Israel, Dieu aussi enverra Jésus-Christ pour délivrer Adam. God also sent Jesus to deliver Adam. Le roi étranger qui est Eglon, the stranger king who was Eglon, c'est Satan, c'est le serpent qui domina Adam. It's the snake. It is Satan who dominated Adam. Et Ehud qui vient pour délivrer Israël, and Ehud who comes to free Israel, c'est Jésus qui vient pour délivrer le premier Adam. Nous tous nous sommes en Adam. C'est-à-dire Jésus qui vient pour nous délivrer. It is Jesus who comes to free Adam. That is Jesus who comes to free us. Acclamons d'abord pour le Seigneur. Let's clap for him. Maintenant, remarquez, lorsque Élu et Ehud est venu pour frapper ces rois-là, Eglon. Now, take note when Ehud came to hit. The king Eglon. D'ailleurs, c'était un roi qui avait beaucoup de graisse. It was a king who was fat. C'est-à-dire, il avait beaucoup mangé. Il mangeait beaucoup. It was a king who ate much. Beaucoup de graisse, c'est-à-dire, il a pris beaucoup de temps. Il mangeait beaucoup. Having a lot of weight, a king who had a lot of weight. Il mangeait la viande. Il mangeait he la viande beaucoup. So many things. Beaucoup de graisse parce qu'il mangeait Adam. Much weight because he ate Adam. Il a pris beaucoup de temps pour manger Adam. Manger, c'est dominer. He took his time to eat Adam, that is to dominate Adam. C'est un langage spirituel. It's a spiritual language. Que Dieu vous bénisse. Amen. God bless you. Maintenant, regardons. Now, let's look. Il s'est servi de sa main gauche. So,
Ehud used his left hand pour tuer Eglon. To kill Eglon. Il s'est servi de quoi? De sa main gauche. He used what? His left hand. C'est-à-dire, il avait la main droite. He had his right hand. Mais pour tuer Eglon, il doit se servir de la main gauche. But to kill King Eglon, he had to use his left hand. Soyez bénis au nom de Jésus. Blessed in Jesus' name. Et il l'a tué dans sa chambre, dans la chambre. And he killed him inside the king's room. Lorsqu'on parle de la chambre c'est le secret. When we talk about a room, it's in secret. Jésus dira à ses disciples. Jesus told his disciples. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre. When you are praying, enter in your closet. Et là, dans le secret. Inside your room, in secret. C'est-à-dire la chambre c'est le secret. It means the room is a secret. Alors, cela veut dire que aujourd'hui, on ne peut pas prier en public comme ça. This means today we cannot pray openly. Loin de là, cette chambre, c'est un langage énigmatique. So that room was some sort of enigma. C'est-à-dire lorsque tu pries, that is when you're praying. Il faut que tu entres dans ton cœur. You have to enter into your heart. Ça doit venir du cœur. It has to come from your heart. C'est-à-dire tu prends ton cœur. That is, you take from your heart. Ou tu pries de tout ton cœur. Or you pray it with all your heart. C'est ça, entrer dans la chambre. That is what it means entering into your room. Ça marche? Ça marche, hein? C'est-à-dire tu dois entrer dans ton cœur. That is, you have to pray from your heart. Baba, ça va? Ça va très bien. Ça marche? Très bien. Ok, c'est bon. C'est-à-dire le secret, la chambre c'est le secret. The room is a secret. La chambre c'est le secret. The room is a secret. Par là nous disons. By that we mean. La victoire d'Ehud sur Eglon c'est dans le secret. The victory of Ehud over King Eglon is in a secret. Mais il doit se servir de la main gauche. But he has to use his left hand. La main droite c'est la force. The right hand is false. Hein, tu peux prendre, tu lis Exode chapitre 15, le verset 6. Read Exodus chapter 15, verse 6. Nous tendons déjà vers la fin. Exode chapitre 15, le verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ah, c'est-à-dire la droite, c'est la force. It means the right hand is force. Et le contraire de la force, c'est la faiblesse. And the opposite of strength is weakness. C'est-à-dire la gauche, c'est la faiblesse. It means the left hand is weakness. Pour dépouiller Satan. To kill Satan. Eglon, qui est l'image de Satan. Eglon, who is the image of Satan. Qui dominait sur un territoire appelé Adam. Who was dominating over a territory called Eden? Il fallait que le véritable Ehud, qui est Dieu, utilise la main gauche. God had to use his left hand, and Ehud was his left hand. Utiliser la main gauche. Use the left hand. C'est Dieu qui devait se faire faible. It's God who had to. Dieu qui devait se faire faible. It's God who had to make himself weak. C'est Philippiens chapitre 2. It is Philippians chapter 2. Commençant par le verset 6 et jusqu'en bas. From verse 6 to the end. C'est-à-dire Dieu devait se faire faible. God had to make himself weak. Raison pour laquelle. That's the reason why. Les gens sont venus pour arrêter Jésus. That's the reason why people came to catch Jesus. Qui cherchez-vous? Who are you looking for? Ils sont tombés. They fell. C'était les lions. They were lions. Mais ça ne peut pas se limiter là. It cannot end there. Il doit se faire faible comme l'agneau. He had to make himself weak. Et like il s'est fait faible. And he made himself weak. C'est ça la main gauche. That's the left hand. Ils sont venus et ils l'ont arrêté. And they caught him. C'est ça Ehud qui utilise la main gauche. That is similar to Ehud using the left c'est hand. C'est l'œuvre de la croix. The handwork of the par cross. Par l'œuvre de la croix. The handwork of the cross. Dieu s'est fait faible. God made himself c'est weak. Ça la main gauche. That is the left hand. Pour dépouiller les autorités, les principautés et les dominations. Amen. Pour dépouiller. Rapidement, non? Pour dépouiller les c'est-à-dire, il a dépouillé les autorités, les principautés et les dominations par l'œuvre de la croix.
He overcame principalities and powers by the work of the cross. Et l'œuvre de la croix, c'est la faiblesse de Dieu. And the work of the cross is the weakness of the Lord. C'est ça la main gauche. That is the left hand. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et ça doit être dans la chambre. And it has to be in the room. Parce que la chambre, c'est le secret. Because the room is the secret. C'est-à-dire l'œuvre de la croix. Because the work of the cross. Dieu a dépouillé les autorités, les principautés, les dominations. Il a dépouillé les diables, mais dans les secrets. God overcame principalities, powers, evil, but it was in secret. Parce qu'il y aura un temps où il viendra dépouiller la bête. Là, ça ne sera pas dans les secrets. Because there will be a time where he will come to overcome the beast, but that will not be in the secret. À la bataille d'Armageddon, ça, ce ne sera plus le secret. In the battle of Armageddon, it will not be. Là, ça ne sera pas les chambres, la chambre. That one will not be in the room. Mais la chambre, c'est l'œuvre de la croix. But the room is the work of the cross. En silence. In silence. Dans le silence. In silence. En secret. In the secret. Jésus a dépouillé. God overcame. Jesus overcame. Il a dépouillé les autorités. Authorities. La domination. Les dominations. He overcame dominations. Les principautés. Principalities. Vous devez croire. You have to believe. Par l'œuvre de la croix. By the work of the cross, Jésus vous a donné la domination sur vos ennemis. Amen. Jesus gave you domination over your enemies. Même si vous êtes malade, even if you are sick, l'œuvre de la croix c'est la victoire. The work of the cross is victory. Vous avez des problèmes, you have problems. L'œuvre de la croix c'est la victoire. Amen. The work of the cross is c'est la main gauche de Ehud. It is the left hand of Ehud. Là où il a dépouillé ou il a tué Eglon. Where he killed Eglon. Cette maladie peut être Eglon. That sickness can be les problèmes que vous avez, ça peut être Eglon. The problems you have can be Eglon. Mais l'œuvre de la croix, but the work of the cross, comme la main gauche de Ehud, like the left hand of Ehud, a vaincu Eglon. Overcame Eglon. Que Dieu vous bénisse. Amen. God bless you. Acclamez pour le Seigneur. Clap for the Lord. Je profite de donner mon numéro. I will benefit to give out my number. Le numéro sur WhatsApp. My WhatsApp number. Plus 243-81-28-55-419. Je donne un autre numéro. I give another number. Plus 243-84-59-444-52-77. Par la grâce de Dieu. By the grace of God. Somme direct, hein? Par la grâce de Dieu. By the grace of God. Demain nous allons commencer le travail. Tomorrow we will begin the work. Et nous croyons que demain nous serons avec le saint de Bertois. And we believe tomorrow we will be with the saints of Bertois. Et demain nous allons commencer le travail. And tomorrow we will begin. À partir de demain. As from tomorrow. On aura le travail. Matin, on aura aussi le travail du soir. We will have a morning session and an evening session. Alors, conseil que je donne aux serviteurs de Dieu. So the advice I give to the servants of God. Ça, c'est une richesse, l'évangile de la vérité, l'évangile éternel. The evangelism of truth, the evangelism of eternal life. Et Jésus aussi nous a donné un conseil. Jesus gave us an advice. Lorsqu'on te donne un talent, when they give you a talent, il ne faut pas le cacher. You don't have to hide it. Le talent, il faut le multiplier. The talent you have to multiply. C'est-à-dire cet évangile. So this evangelism, nous devons le répandre dans tout le Cameroun. We have to multiply it all over Cameroun. Même au-delà des frontières du Cameroun. Out of the borders of Cameroun. Et par la grâce de Dieu. And by the grace of God. Cela va se faire. And that will be done. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in Jesus' name. Acclamons le Seigneur. Thank you.